Let me show you what it is. I was birthed up top, but was raised at the bottom of the map where the girls all thick and the hottest to rap. If you're looking for the good, then we got them in a trap like. What's up, le Kenshi? Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier des 200 000 abonnés qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, vous avez été nombreux à me demander soit le challenge The Floor is Lava ou bien des pranks. Donc j'ai commencé les pranks. Donc voilà, soyez indulgents, soyez gentils parce que c'est mon premier prank. J'ai pas l'habitude, tout ça. Donc la caméra, ça bouge un peu, tout ça. Donc t'inquiète. Et il y a un peu la timidité, tu vois. Il faut que je m'habitue, il faut que je sois chaud. Donc je t'explique vite fait le prank qui consiste à quoi. En fait, c'est tu vas dans la rue et... tu vas dans la rue et tu t'assois à côté des gens et tu les fixes. Tu les regardes droit dans les yeux. Tu vois, ils vont être gênés, ils peuvent partir ou bien ils peuvent dire mais wesh, il est fou. Tu vois, tu les fixes comme ça, tu dis rien, tu parles pas. Ou bien des fois avec quelques personnes, j'ai parlé. Donc voilà, c'est ça le prank. Si tu veux plus de prank, tu me dis ça dans les commentaires. Dis-moi des idées de prank que tu veux. N'hésite pas à me follow sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat si tu veux me parler. Me donner des pranks que tu veux que je fasse. Donc voilà, c'est parti. Bonne vidéo, n'oublie pas de t'abonner, très important. C'est parti. And I'm never on a wasting shawty. I do it how you say you want it. Them girls, they just wanna take my money. They don't want me to. My diamonds twinkle, water sprinkle. Niggas hate I made it so fast. I don't even know, but it's cool though. Je suis mort, dommage vous avez pas vu sa tête parce que le mec il avait archi peur carrément. C'est sa femme qui me parlait, tu vois. Sa femme elle m'a dit ouais, comme quoi il a peur et tout. Il parlait pas, c'est limite, il transpirait. Détends-toi, cousin, je vais pas te voler, je vais pas t'agresser, tu vois. C'est pour ça après je suis parti dès qu'elle m'a dit ouais, il a peur et tout. Je suis parti, j'ai pas essayé de chercher des embrouilles. Bref, la suite. Froid ici. Toi hein? J'ai froid ici. Tu trouves que t'as froid? Enfin, j'ai froid. Il y a pas froid. Passez une bonne journée. Merci. Elle, je pense que c'était une touriste. La manière comme elle a flippé quand je suis venu, je crois qu'elle avait peur que je lui vole son téléphone. Dès que je suis venu, bim, elle a rangé son téléphone, elle est partie. Ah, faut faire du sport, oui. Ah,
Non, il fait froid quand même, un petit peu. Il fait froid. Really, nigga? Ça va? Oui, et vous? Oui, ça va. Ça va? Prends du bon temps. Ouais, je repose. Se repose, oui, il faut. Vous faites du sport ici, là? Oui, de temps en temps, je cours. Un petit peu de jogging, de remise en forme. C'est bien. Ah, il faut quand même. Moi, je vais venir. Ah, oui. Vous êtes parisien? Oui. Et vous? De temps en temps. Ah, vous habitez ici ou? J'habite ici, mais en province aussi. Ah, d'accord. Ça fait du bien de venir à Paris de temps en temps. Oui, en plus il fait bon en ce moment, donc ouais. c'est parfait quoi. Étudiant ? Exactement. C'est la belle vie ça. Pardon ? C'est la belle vie étudiant. Non ? Ah bah oui, c'est sûr. Faut profiter. Bon monsieur, je vais vous laisser. Ben, bon courage. Hein. Merci, vous aussi. Au revoir. J'avoue, t'as pris quoi? Oh my god! C'est bon quand même. Ouais. Ça profite? Vous habitez sur Paris? Ouais, presque. Presque? Comment ça, presque? Avant. Pardon? Avant, dans 92. Ah. Dans le 92? Vous pouvez parler, hein. Je vous dérange? Bah, on est tous les deux, on est tranquille là. Ah, vous voulez que je parte? Vous voulez que je parte? Bah, on veut bien, ouais, c'est bon. On est en profil là. Je me sens rejeté un peu, c'est... je suis méchant. C'est non, pas... c'est pas que des méchants, c'est qu'on était tranquilles tous les deux, dans bah... un petit moment entre filles, voilà. Désolé de vous déranger alors. Bah écoute, c'est pas grave. Au revoir. Salut. Genre, je sais pas, je leur parle, carrément la meuf elle est dos, elle monte ses fesses, on dirait qu'elle voulait me péter dessus. Pourquoi tu fais ça? En plus, comment je me suis fait recal? Genre, moi je voulais pas les draguer, tu vois, j'étais là en mode pour parler avec eux. Elle m'a dit, ouais, vous pouvez partir. Mais, j'ai fait quoi? Voilà les Kenti, c'est la fin du prank. Donc voilà, si vous avez des conseils à me donner, dis-moi ça dans les commentaires, plus long, plus court, ou d'autres idées, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur Snapchat ou Instagram. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre sur ces deux réseaux sociaux, c'est très important. N'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de pranks, ne pas rater mes pranks, parce que ça va arriver, il y en aura pas mal. Ouais, je sais que vous attendiez les pranks depuis longtemps, donc je vous fais plaisir. Bref. Sur ce, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et merci encore des 200K. Et c'est pas fini, il y aura encore d'autres vidéos pour les 200K. Encore une ou deux. Non, une. Voilà. À la prochaine. Drop the bezel, had to switch my schedule. Ooh. On my dick, she Lego, Lego, never Lego. Yeah. Hold my stock up on me, so I call the Velcro. Yeah. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro, if it's about the peso, yeah. Like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dickest. Then the bitches in the back, just like a fucking echo. Ayy, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Yeah. To wet your babe up, Michael fell with it. Hell.